Bonjour à toutes et à tous, c'est comme prévu, on se retrouve pour la suite de notre petite aventure et notre petit combat dans le cimetière. On ne sait pas du tout ce qu'il y a, parce que c'est de la grosse saloperie. Et on a des gens qui sont pas encore tout à fait soignés, alors c'est qui? Il y a que lui, moins 5 de fatigue recovery par turn, ouais, bon, c'est pas ouf, ça va. On a Ulrich qui est toujours là pour nous aider. On va y aller, allez, c'est parti. Engage. Faut y aller, on n'est pas là pour camper hein. Alors, ok, ils avancent direct. Ils sont 3, ils sont 4, ils sont 5, ils sont 6, ok, je sais pas du tout ce qu'ils valent. En tout cas la musique fait un peu flipper. Alors ils sont dans un marais, je sais pas ce que ça fait le fait d'être dans un marais. Marais. 25% mais les skills, moins 25% mais les défenses, moins 25% ranged de défense. Ok, donc ouais, on a tout intérêt à ce qu'il reste dans le marais. Et à ce que nous, on soit pas dans le marais. Ce qui pourrait dire que c'est presque intéressant d'avancer. Putain, j'ai encore oublié de changer les armes. Faut vraiment que j'y pense. Ça coûte quand même 4 quoi. Ici on a 12 de chance de toucher. Ils ont déjà joué, donc ils vont pas rejouer tout de suite de toute façon. Ils ont une sacrée initiative, les machins. Et on sait pas du tout ce qu'ils ont comme vie. Par contre, ils ont pas du tout d'armure. Alors, où est-ce qu'on pourrait se mettre? On pourrait avancer là. Il y en aurait quand même certains qui seraient obligés d'être dans le... dans les marais, mais pas tous. Si on fait ça, si j'essaye d'avancer là, ça veut dire que lui devrait aller ici. On va avancer. Toi tu vas attendre parce qu'on va te laisser la place. Toi tu vas aller ici avec ta lance et tu vas faire un petit mur de pique. Toi tu vas attendre pareil. Toi tu vas aller ici avec ta lance. Tu vas pas faire de mur de pique parce que pour l'instant tu peux pas. Hop. Toi tu vas essayer d'aller jusque là. Putain mais c'est très très lent hein. Ils sont très très lents les pauvres. On est obligé de rester dans la Murky Water. C'est un peu la tristesse. Toi viens là, peut-être tire un petit carreau, 51% de chance de toucher. Essayez. Ok ça va, ils ont pas l'air d'avoir une quantité de vie trop inconsidérée. On est un petit peu dans le mal hein. Enfin au moins ils peuvent pas se déplacer autant et attaquer, c'est déjà ça de prix. Ici on met un petit coup de pique. Ah, on a raté. Donc lui il y a eu un... il est en wavering notre ami Ulrich. Alors très très bien, donc ici on peut tirer sur celui-là. Avec une chance qui est quand même assez moyenne, hein, faut bien avouer. On va quand même tenter. Ouais, raté, fait chier. Donc ici on peut essayer de le terminer, après on va lui qui va pouvoir avancer et foutre un coup. Oh putain, raté. Oh, deux fois raté, sérieux, on avait une chance de tarer, de le toucher quoi. Du coup là, on est obligé de tirer sur lui. Donc lui il va avancer quand même. Essayer de mettre un petit coup, donc lui est déjà presque en train de s'enfuir, donc on va essayer de voilà, décapiter celui-là. Un jet de morale, c'est raté malheureusement. On rate. 89% de chance de rater, on rate tous nos coups, hein. C'est un peu la loose. Si j'avance ici, je peux faire un mur de pique, on va le faire parce que lui va probablement avoir envie d'aller là. Ici on va avancer là. Et on va essayer de empaler le mec, 66% de chance, on arrive à se rater. Putain. Ah d'accord, il bouffe les... ok, il a bouffé le machin et il est devenu une grosse saloperie. Très très bien. Ça c'est une seule nouvelle par contre. Donc ici il faut qu'on avance. 32% de chance, 38% de chance, 38% de chance. Bah on va essayer de... lui il est presque en train de wavering, on va essayer de faire fuir celui-là. Raté. Alors lui il faut qu'il recharge, mais par contre il va pouvoir tirer sur personne. Ouais, il y a tout le genre devant, donc il va devoir... attends, il peut même pas avancer. Pff, voilà. Ici...
On est obligé de taper sur des gens. On peut essayer de repousser un mec, on peut essayer de repousser lui. Raté. On va peut-être enfin réussir à faire des trucs à un moment, parce que c'est sympa de toujours rater, mais voilà, merci. Ici breaking, c'est pas si mal. On n'a pas réussi à le tuer quoi. Par contre il va s'enfuir. Du coup on va faire un mur de pique. Et ici un mur de pique également. On va essayer de faire un peu chier celui-là s'il veut revenir. Il y en a probablement un qui va essayer de venir bouffer là. On va voir. Et lui, bah ouais, on va essayer de le terminer. Non, c'est raté. Ok, il a tapé le bouclier, c'est parfait. On peut tirer sur lui. On peut tirer sur lui, on va essayer. Raté. Et encore raté, parfait. Donc là, on va avancer. Faut qu'on essaie de diminuer ce con parce qu'il est. Il est sacrément balèze du coup. Attends, on a juste réussi à le boost un peu. On n'a pas ce qu'il faut pour recharger, tant pis. Donc là on va essayer d'y aller comme un porc, on rate. J'ai l'impression que notre meilleure chance de buter celui-là c'est d'essayer de le faire fuir, donc on va essayer de s'occuper de l'autre. Deux échecs, putain c'est assez ouf. Lui il va se barrer. Ce qui veut dire qu'on peut aller là. Et du coup on n'a plus rien, on peut plus rien faire ici. Ici bah il n'y a pas vraiment de chance en fait de d'éviter. Enfin on peut pas lui récupérer de l'armure ou quoi que ce soit, donc on va essayer de le tuer tant qu'à faire. Voilà, ça fait un jet de morale. Alors toi, tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque là peut-être, oui. Comme ça il pourra toucher celui-ci. Uric qui résiste bien avec son bouclier, hein, ça fait plaisir. 63% de chance. Peut-être réussir à remettre un coup, voilà. On tombe à 31% hein, avec notre truc, mais ah parfait, il va s'enfuir. C'est nickel, donc là on recharge. Lui s'enfuit pas encore, mais on peut pas le toucher. Ça me paraît pas utile de d'utiliser nos munitions pour ça pour l'instant. On va décapiter ce con, voilà, parfait, il s'enfuit. On peut avancer là pour du coup lui mettre une zone de contrôle pour lui taper dessus. Hop là. Là on va réessayer, il y a peut-être un moment où tu vas réussir à le toucher. Un peu mais pas trop. Ok, on peut s'approcher par là, on va essayer de le faire, on peut pas faire beaucoup mieux pour l'instant. Ici on avance et on peut pas le toucher non plus. Bon par contre il va essayer de s'enfuir. Bon on va pas tirer. Hein. Oh non on va le poursuivre. Pareil, on va lâcher le chien. Le chien qui fait le taf. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé une artère. Très bien. Voilà, même pas besoin d'attendre qu'il s'enfuit. Et on a Damned qui prend un petit niveau. On s'en est plutôt bien tiré. On récupère un peu d'argent et des dents. Enfin des crocs. C'est parti. Bien, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je m'attendais, franchement. Bon, du coup, le cimetière est un peu dans le mal. Au niveau équipement, on n'a pas trop souffert. Par contre, il va quand même falloir qu'on en rachète à un moment. Alors, ils sont plus terrifiés. Parfait. Quand ils ont toujours été raidés, ça n'a pas changé, il y a quand même des gens qui disparaissent, mais on n'a pas de contrat pour regarder ce qui se passe là-dessus malheureusement. Ah, du coup, c'est hors de prix quoi. C'est vraiment hors de prix. Même le tissu, il est vraiment hors de prix quoi, ça fait chier. On va quand même en prendre un peu, histoire de faire un peu de commerce. Au niveau bouffe, on a ce qu'il faut. La bière, bah tant pis. Hein. Alors c'est un peu chiant, mais je
Je me vois. J'ai pas envie de retourner là-bas gratuitement, donc je vais peut-être essayer d'aller faire un petit tour par là-bas, voir ce qui se passe. Peut-être qu'en repassant par là, il y aura des quêtes pour descendre vers le bas. Ici, il y a quand même des chèvres, du cuivre. Bon, par contre, il y a encore des ruines. Donc, ils seront peut-être encore en train d'essayer de travailler à réparer, c'est pas grave. Allez, c'est l'evening, faut qu'on arrive avant la nuit, les gars. Parfait, pile poil. Il y a un contrat, c'est cool. Il y a un armurier qui vend des trucs qui sont pas du tout de notre niveau. Ah, il y a un Fletcher qui vend quand même des munitions, mais qui sont hors de prix pour pas changer. Les gens nous aiment vraiment pas, hein, putain, la vache, ça, tout ce qu'ils nous vendent, ça coûte super cher, quoi. Du fromage. C'est super cher, des outils c'est super cher, de l'équipement c'est super cher. Ça c'est quoi, un couteau, une lance, ok, on en a pas besoin. Même nos petits morceaux d'animaux là, les gens s'en foutent, c'est triste. Et au niveau du recrutement, on a quoi? Un messager, ok, pourquoi pas. Un mec de caravane et un mineur. C'est mieux que ce qu'on avait dans les autres villes, je trouve. Enfin, c'est plus sympa, mais on n'en a pas besoin, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, la mine s'est écroulée. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas de trucs fous. Ils sont en train de reconstruire et il y a des gens qui disparaissent. Alors, regardons le contrat. Ah, c'est une livraison. Edgestat. On va regarder un peu ce qu'il nous propose. Ok, il nous propose 470 couronnes et c'est à Edgestat. Regardez où c'est. Je suis une quiche en nom. Freidorf c'est là, Neuerden c'est là. C'est encore une autre ville plus loin. Wood machin chose. C'est où ce truc? Trockenbourg. C'est où Edgestat? Une ville que je connais pas. Là, de toute façon, il y a deux routes. Donc ça va là. Wolfen, machin chose. Dukenthal. Hockenhorf. Mince. C'est un endroit que je connais pas. Hammerden. Gordfern, machin chose. Du coup, je suis bien désolé, mais je sais pas trop où c'est. Ah, c'est là. Putain, là, c'est super loin. C'est super loin, non c'est trop loin, on peut pas trop s'éloigner des villes là où. Enfin faut qu'on retourne dans le coin pour essayer de les. D'avoir amical quoi. Donc non, je suis désolé, on va retourner là-bas. Du coup. C'est de la merde, t'inquiète. Pas d'offense hein, mais c'est quand même de la merde. Au moins niveau provision on est bien, niveau thune on est pas trop mal. Pas fait gaffe, on avait pas des niveaux à prendre. Si, on avait un niveau pour Damni, d'autant pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau? Encore de l'initiative. Ça peut être pas mal pour faire des murs de pique assez vite. La résolution, bon, avec son bouclier, ça va. Un peu de vie. Allez, un peu de résolution. J'aimerais bien la prochaine fois qu'il prenne un peu de mêlée quand même. Et au niveau des compétences, alors on a débloqué des trucs ici. Alors, donc on gagne plus 10% de chance de toucher par allié qui cerne la cible, ok, on a anticipation. On gagne 1 plus 10% de notre défense à distance, plus de notre défense à distance par tuile où l'attaquant est... ok, donc là on est beaucoup plus efficace pour récupérer à distance, on peut être un expert du bouclier. Ah, ça c'est pas mal ça. Plus 15% de chance d'utiliser la compétence Knockback. 50% de chance de... Ça irait bien avec le surnom de Damned, la mort lente. Alors... Ok, ça réduit l'initiative et la fatigue de porter des armures et des casques. Rotation.
Ok, ça nous permet de switcher avec d'autres personnages. Pourquoi pas. Rallier les troupes. Ouais, c'est pas trop le thème de Damned pour le coup. Ou alors Taunt. Ce qui va forcer les attaquants, enfin les ennemis autour, à attaquer plutôt qu'à. Enfin, à utiliser des compétences d'attaque plutôt que des compétences défensives. Et à attaquer le. Bah, attaquer Damned plutôt que l'autre. Non, je pense, je trouve que le truc là. C'était quoi? C'était. C'était Shield Expert. Alors après, il y avait quoi d'autre intéressant, ça non? Colossus non, face adaptation non. Alors on va prendre Shield Expert pour lui. Je pense qu'il gardera toujours un bouclier Damned. Alors, on avance, on avance. On est presque rendu là. Niveau soins, ça y est, on est soigné, c'est cool. Donc, ils sont toujours well supply, ils sont toujours en train de reconstruire. Ils reconstruisent quoi? Des champs. On va quand même prendre une petite rumeur, on va voir ce que ça fait. Ok, donc on paye une tournée. Le mec il fait sonner une cloche pour dire que la prochaine tournée est pour nous. Alors, il y a beaucoup de rumeurs à propos des morts qui marchent sur la terre de nouveau. Edouard sait qu'il y en a quelques-uns au sud-ouest. Ok. Donc on n'a pas de contrat, mais on aurait éventuellement des morts au sud-ouest. Donc sud-ouest c'est plutôt là d'ailleurs. Il n'y a pas l'air d'avoir de cimetière. On va camper, attendre la journée pour voir si si éventuellement il y a des choses intéressantes. Toujours pas de contrat malheureusement. La marketplace c'est pas amélioré j'imagine. Non c'est pas amélioré. Bon bah tant pis, on va devoir ce Tiwil. On va retourner à Neuerhead du coup. Tant pis. Je sais pas trop si je devrais essayer de beaucoup plus visiter les villes ou me concentrer sur certaines. Je sais pas trop comment ça se passe les contrats, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à ce sujet-là aussi. Ah, ici il y a un contrat, parfait. Et ils ont eu de la bonne culture, ça c'est cool. Ouais, ils nous vendent du blé pour que dalle. Des fruits aussi pour que dalle, du pain pour que dalle. Ça c'est extrêmement intéressant. On va essayer de voir le contrat, si on peut être encore plus pote et qu'ils nous vendent ça pour encore plus que dalle. Alors, on entre et un homme nous approche immédiatement. C'est quelqu'un qui est employé par Ebedej Seward, c'est un homme de pouvoir dans la ville. Et qui a besoin de nos services. Eh ben écoutons. Donc il regarde à sa fenêtre, regardant un groupe d'hommes qui est en train de charger des wagons. Ok, très bien, enfin pas des wagons mais des carrioles, des chariots. Alors, j'ai un chargement important à faire parvenir à Sandwich à 2 jours au sud-ouest. C'est plutôt moins dans la direction où on va. Ok, donc il y a un de ses compétiteurs qui a pris, qui a acheté la bande, enfin la bande de défenseurs de caravane locale. Parlons monnaie. 80 couronnes à l'avance et 320 quand le job sera fait. On accepte. Et on nous donne des provisions. Ok, je vais y réfléchir un peu. Je vais regarder où c'est quand même. C'était pour aller où? Sandwich. Alors Sandwich, c'est où Sandwich? C'est pas une ville que je connais ça, hein, Sandwich. C'est tout là-bas, ok très bien. Ça nous éloigne beaucoup. Mais ça reste intéressant. On va faire une razzia sur tout ce qui a bouffé. Hop, voilà. Parce que pourquoi pas. Et on accepte son contrat.
c'est parti. Ça fait une bonne distance. Hop, on contourne le petit marais. Donc là, on n'a pas de récompense pour si on a des attaques. Alors, qu'est-ce qui se passe? On rencontre un moine avec un âne. Ok. Ouais, ok, il a tout un tas de machins. Avec des pots et tout qui cliquettent. Bon, visiblement, l'âne est complètement surchargé. Il y a des abeilles. Enfin, c'est complètement. Le mec, il se balade avec la moitié de la planète sur son dos. Enfin, sur le dos de son âne. Alors, il relève son chapeau de laine. Non, il l'abaisse sur ses yeux, pardon. Non, il le relève, mais ça retombe. Ouais, il le relève, mais ça retombe sur ses yeux. Donc, très bien. Il a un sourire. Il est pas du tout. Il est pas du tout. Il a pas l'air du tout perturbé par la bande armée qui est devant lui. Alors, donc il nous dit qu'on n'est pas le genre de personnage à marcher sous la bannière d'un lord, on est plutôt des mercenaires pour lui. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit de prompt? Alors, combien de couronnes pour une petite bière? Ou alors, d'accord, donc en fait il nous dit qu'il a de la bière, on peut lui demander combien on paye ou on peut s'emparer de la bière nous-mêmes, on va lui demander combien on paye. 10 couronnes par tête. Ouais non c'est trop cher. Beaucoup trop cher pour nous. 10 couronnes par tête c'est vu qu'on est 7 c'est presque 4 fois plus que ce qu'on peut avoir en ville, ça ira. Attention on arrive près de montagne. Comment ça se passe? Ça va? Ah, on a des bandits qui nous attaquent. Et ben, on est payé pour ça, les gars. On va donc y aller. Alors, on a les gardes de caravane, on a les ânes. J'imagine qu'il faut pas qu'ils se fassent trop buter. Et on a tout cela. Donc, du coup, il y a lui qui joue. Alors, si on va jusqu'ici, on peut tirer. Par contre, on est quand même très proche d'eux après. Et ça pourrait être intéressant de prendre la... Par contre, ils vont beaucoup jouer, quoi. Ça coûte combien de se déplacer? 2 AP, quand même. Si on va ici... On va essayer d'avancer un peu, quand même. Celui qui va attaquer en premier... Ils sont bien équipés, hein. Ils sont très très bien équipés. Ouais, très très bien équipés. Attendre un petit peu, ici on va avancer là, un petit mur de pique, voir s'ils veulent avancer largement, on a moyen de les shooter. Ok, ils nous contournent carrément, ils ont pas mal de mouvements. Si je vais là, je vois pas trop, je pense que je passe par... on va venir là, et on va mettre un petit coup. Ça va être difficile de passer la côte de maille, hein, très clairement. C'est pas grave. Ok, donc eux, on ne les contrôle pas. Hein. Ici, on va venir là. Et on va faire un petit mur de bouclier. Avec notre archer, on va venir ici. Alors on a 29% de chance de toucher là, 32 là, 32 là. Ok, comme ça, comme on pouvait s'y attendre, ça rate. Par contre ici j'aimerais bien aller là pour tenir un peu. Toi tu vas aller là et tu vas mettre un petit coup dans sa tronche à lui. Parfait. Et donc là bah, on va rien faire du coup, on peut rien faire de plus. Ils sont nombreux et bien équipés, hein. Ça peut être Tandax.
Donc eux, ils ne font rien, ok, très bien. Ils restent à l'arrière, à rien foutre. Ils pouvaient s'y attendre. Alors, ici on a 62% de chance de le toucher, le copain. Ici, on a des malus partout. On va tenter. Hop. Oh putain la vache, comment on transperce rien de son armure, c'est la violence. Allez, ici on tape. Et on retape, ok, on a cassé son armure. Lui aussi, cela dit. Là, on pourrait toucher quand même deux de nos gars. 9% de chance, 45% de chance, 29% de chance. Ouais, c'est pas ouf. Alors que si je fais ça, j'ai quand même moyen de le décapiter, lui. Hein. Eux, ils ont des boucliers. Lui, il joue quand, là? Je pourrais casser son bouclier, mais ça sert pas à grand chose étant donné que il est pas. Enfin, j'ai personne d'autre pour le taper dessus, quoi. Ok, donc il a cassé mon bouclier, très très bien, mais il est pas tout à fait cassé. Là, on recharge et on peut tirer. Alors là non. Ici, on a 73% de chance de toucher. On va essayer de diminuer un peu celui-là. Merde, Akatsuki a pris cher là. Ah, ils attaquent à deux de cases, deux de distance, là, j'avais pas vu ça comme ça. Là, avec son bouclier, on va avoir du mal. Hein. On va avoir du mal. On peut essayer de le repousser. Ici, on va devoir y aller parce que. Ils attaquent à deux de distance avec leurs armes là. J'ai pas vu ça comme ça. Alors ici 35% de chance parce qu'il est trop près. En même temps j'ai autant de chance de toucher celui-là donc je peux aussi bien essayer de le repousser, rater. Ça pourrait être intéressant qu'il aille s'occuper un peu des gardes de la caravane. Je pensais qu'ils allaient avancer donc c'était une erreur, du coup j'aurais peut-être dû rester un peu à distance. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Pas bien vu. Ok, ici on recharge. On n'arrive pas à le diminuer malheureusement. Oh là là, ils ont décapité Akatsuki. Non. Tristesse. Ici on a 31% de chance. C'est pas mal, 31% de chance. Deux fois. Par contre, clairement, bon là il va falloir qu'ils avancent, donc on va faire un mur de pique et attendre. Ah quoi que non, je suis con, ils vont pas avancer, ils attaquent à deux, bordel. Ok, petite pique, ils résistent. Ah, ils peuvent taper sur lui du coup. On va essayer de le finir lui, ça pourrait être cool. Ok, parfait. Bon bah je suis désolé pour toi Akatsuki hein, du coup. Là on va faire un mur de pique pour essayer de reculer lui. Même si du coup il a un bouclier. Ah non, il nous lance des haches dessus. Très très bien. Ah lui il va finir par nous mettre une tatane. 11% de chance de toucher. Ah oui, il a fait un mur de bouclier. Bon bah tant pis, on va essayer de toucher là. Ouais, tape dans le bouclier bien sûr. On tape dans le bouclier. Les autres enfoirés ils font toujours rien. Ouais, on va essayer de se recentrer un peu par là. On va revenir près des copains. C'est chaud hein, ils veulent vraiment pas nous aider les mecs. Hein. 50% de chance de toucher, 50% de chance de toucher là-bas. Ouais. Ça passe mais de justesse quoi. Il reste surtout du bouclier malheureusement. Bouclier. Raté. Faut que je change d'arme avec lui en fait, je suis con, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Toi. On a réussi à le toucher à la tête, c'est plutôt cool. Ok, il se
m'en riposte et il met en mur de bouclier en plus, c'est la fête. Ça, ça coûte 4 d'AP, donc je peux faire un comme ça et ensuite taper. Bouclier, bouclier, parfait. Lui, il va falloir qu'on aille le chercher, je crois. Hein. Pas le choix. Bouclier, malheureusement. Toi, faut que tu changes d'arme. Putain, il veut toujours pas venir, hein, fait chier quoi. Qu'est-ce qu'il fait? On tape dessus. On recharge, on tire. 50% de chance de toucher. Là, il y a lui qui est devant. On va essayer. Parfait, pas mal ça. Bon, là, du coup, on a des lignes de tir de merde partout. On va tenter, 28% de chance, c'est dans le bouclier. On va relâcher le chien parce qu'un peu de support ça va nous aider, je pense. Alors ici, on pourrait, je pense que ce qu'on pourrait faire ici, c'est essayer de le repousser et après on avance. Ah, on n'a pas assez de mouvement pour avancer, fait chier. Ah non, on a trop de fatigue. Bordel. Mais ici, du coup, toi, tu peux avancer. Et comme ça, on est au contact avec cet enfoiré, là. Qui va un peu plus galérer avec son truc, je pense. Donc là, il nous a débarrassé de notre bouclier. On n'a pas un autre à tout hasard. On n'a pas un autre. Par contre, nous, hein, son bouclier, ça passe pas. Alors ici, on peut faire un mur de bouclier et un petit slash. Bon, ils font toujours que dalle. Et lui, il fait rien. Le chien, il mord et il se rate. Merci, chien. Compliqué ce combat. Oh putain, il a réussi à me toucher, ça fait chier. Alors sur qui on peut tirer maintenant? Bah pas grand monde, si, il y a lui, mais non, il y a lui qui est devant. Il faudrait que j'aille là. J'ai pas assez de mouvement en fait pour aller là. Ah, c'est la teuf. Puis où que je tire, j'ai une chance de toucher mes mecs, donc on va éviter. Hein. Donc désolé Chop Chop, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose ce tour là. Ouais, là c'est pareil, du coup tout le monde a reculé. On va aller là. Oh, on rate quoi, bordel, c'est ouf. Ici, on va aller là. Ah, parfait. Il commence à être en breaking. On peut peut-être tenter de le tuer. Oh putain, bouclier deux fois quoi. Ici, on a plus de bouclier. L'autre, il en a toujours en face, donc ça va être compliqué. Il faut qu'on y aille. Oui, on a réussi à le blesser. Parfait. Ici, on va activer la riposte et on va essayer de lui mettre un coup. Parfait. Ah bah ça y est, il se bouge enfin le fion. Bon, il y en a un qui se bouge. Le chien a réussi à mettre un petit coup dedans. Bon, il a avancé, mais... histoire de dire qu'il a avancé quoi. Ici il faut qu'on se replace, on va se mettre là et on va essayer de s'occuper de lui là. 50% de chance ça rate bien sûr. Alors ici on peut mettre un petit tir ciblé là. Alors bouclier forcément. Ah parfait, on arrive à le buter. Peut-être que le moral va commencer à se casser un peu la gueule. Là on rate et on tape dans le bouclier. Ah, il a réussi à me toucher ici. Alors, on commence à être beaucoup trop fatigué, c'est un peu le problème. Comme vous me l'avez dit, hein, la fatigue ça joue quand même beaucoup. Et là on tape dans le bouclier, on peut réessayer un coup, histoire de bien nous crever, et on rate, bordel quoi. Putain, ils prennent pas de risque les mecs. Là, on se balade, s'il faut qu'on recharge,
Oh putain. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. On va récupérer un peu ici. On tape dans le bouclier. Ah merde, on saigne. 55% de chance de toucher, on va tenter. Ok, il est en breaking. C'est toujours ça de prix. Donc toi. Allez, tu peux mettre un deuxième coup. Oui, parfait. Bon là on va pas pouvoir en mettre deux. Et on tape dans son putain de bouclier. Aïe, là il m'a touché par contre. On fuit ou pas là? Non, on est en breaking. Ouais, on rate. Je comprends pourquoi il avait besoin de mecs, hein. C'est vraiment tous des tarlous hein, dans sa bande, gars. Qui tape dans le bouclier, les mecs de la caravane qui font toujours rien, bien sûr. On arrive à taper un peu, on continue de saigner malheureusement. Ici on recharge et on n'a pas la fatigue pour tirer. Ok, très bien. Ça c'était quoi ça? Plus de munitions, très très bien. Bah écoute, prends une épée, hein. Tu vas aller là, essayer de filer un coup de main au copain. Là, on est obligé d'aller dans son dos. Pas trop le choix. Bah ici, on est deux, mais... Oh, parfait, bien joué. On va donc se tirer. Oh putain. Donc ici, il s'enfuit, ce qui veut dire que si on fait pas quelque chose, il va se faire buter. Bon, il a réussi à s'enfuir, il saigne. Voilà le drame. Le chien arrive à faire des trucs quand même. Ah, c'est tellement tendu. C'est tellement tendu. Toi tu peux pas aller jusque là-bas, mais tu vas quand même essayer de te rapprocher. Ici bah. On va essayer de le finir, tant pis pour son armure. Hein. Donc on a perdu Akatsuki qui s'est fait décapiter malheureusement. Il avait réussi à tuer une personne. C'est la tristesse, t'en as tellement souffert quoi. Waouh. Mais on récupère quand même pas mal d'équipements, plein de thunes, un peu de pain. Ouais, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. On va donc terminer le chemin. Non, peut-être pas. On est arrêté, c'est déjà c'est gentil de leur part. On a quand même deux niveaux, donc on va resserrer un peu les rangs. Les gens ils sont un peu dans le mal. Alors du coup. Toi, tu vas prendre ça. Toi, tu vas prendre ça. On s'est pas trop fait toucher à la tête, ça va. Lui, il a quoi? Ça fait 30 son truc là. Je suis bien désolé, mais tu vas récupérer ça quoi. Bon, ça c'est 50, tu vas donc récupérer ça. Une armure à 95. Ah oui, puis lui, il s'est fait péter son bouclier. On avait des boucliers, non? Ouais, on a. Hop. Ok, très très bien. Toi tu vas reprendre ta fourche. Toi tu vas reprendre ton arc. Toi tu gardes ça, tu gardes ça. Ok, donc à qui on donne ça? 95. On va filer ça à Dame Ned parce que pour l'instant il a plus du tout d'armure. 65 de défense, 65 de défense, c'est pas mal. 65 de défense, 55 de défense, 55, on va donner ça à lui. 40 ça, 40 aussi, ok. 45, on va filer un truc un peu plus efficace tant qu'à faire. Bon. On a même pas réussi à récupérer une de leurs super armes. À distance, on va devoir rester à la fourche, on dirait. C'est bien triste. On va ranger un peu le merdier, voilà. Il me semble que j'ai donné un bouclier un peu plus s'abîmer, voilà. 79, donc à faire. La petite hachette, c'était pas mal, hein. Casser le bouclier, franchement, c'était quand même plutôt pratique. Mais bon, pour l'instant, on est bien avec nos lances devant, je pense.
juste lui donner à lui, voilà. Lui il serait pas mal avec un bouclier aussi, quand il a plus de munitions. Pareil pour toi, alors on va leur donner des tout petits plutôt, déjà ça sera ça de moins réparé. Au niveau des couteaux, ils en ont tous. Ok, bah on va s'arrêter là pour cet épisode, on fera les niveaux plus tard parce qu'il est déjà bien assez long avec ce combat qui était quand même pas simple. Espérons qu'on tombe pas sur d'autres mecs entre temps parce que ça va être un peu le drame. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.